Où est l'Infinity? C'est le noyau de Requiem, oui. Mais l'Infinity n'est pas ici, apparemment. Le satellite au centre amplifie les transmissions du vaisseau, comme un relais. On pourrait s'en servir pour leur répondre. Oui, peut-être. Les faisceaux qui en sortent sont à l'origine des interférences ressenties. Nous devons les désactiver pour contacter l'Infinity. Vous nous y emmenez? J'ouvre un portail vers le pylône du premier vaisseau. Bon, allons-y. C'est le premier pylône. Négatif. Impossible d'approcher plus près que ça. J'espère que ça vous dérange pas de marcher. Des ennemis! Et les revoilà. Ils descendent des murs. Même empreinte corticale que les IA de la tour. Communique, donc. Attention! Hé, hey, regardez-le! Il est mignon, non? Après un petit coup d'œil, les constructs semblent conçus pour le mimétisme. Phase identique à la limite de nos détecteurs. On va avoir de la visite. Drone explose, le court flash que nous voyons est en fait une suppression de données. Vous pouvez les lire. Jusqu'à présent, d'après celles que j'ai pu extraire, les gros drones sont des chevaliers prométhéens. Le reste des données est un peu confus, en fait. Let's go.
Les interférences augmentent. Nous approchons certainement du pylône. C'est quoi cette distorsion? C'est moi. Quelque chose fait qu'à force de franchir ces portails, la charge de mes systèmes augmente. Vous allez tenir le coup? Pas de soucis. J'ai échappé à la frénésie jusqu'ici, non? Voici l'objectif, mais l'entrée semble protégée. Il faut trouver un moyen de l'abattre. Détruisez ce module d'alimentation du bouclier. Il y a deux autres modules à ce niveau. Détruisez-les avant de monter tout en haut. Voici l'objectif, mais l'entrée semble protégée. Il faut trouver un moyen de l'abattre. Détruisez ce module d'alimentation du bouclier. Il y a deux autres modules à ce niveau. Détruisez-les avant de monter tout en haut.
travail, Major. Plus qu'un. Du pylône. Ils ont dû intercepter notre balise de détresse. Elle a été aspirée dans les couillères avec nous. S'ils essaient de la suivre... Ils seront pris dans le puits de gravité. Je vais essayer de les prévenir. Vous, désactivez ce vaisseau. C'est la commande du faisceau. Ça marche. Le signal du relais commence à devenir plus clair. Ici Pritzker. Vous avez détecté une balise UNFT venant de quelque part à l'intérieur de la planète. Ils sont pas encore au puits de gravité. Il y a encore trop d'interférences pour les prévenir. Nous devons désactiver cet autre faisceau avant qu'il ne soit aspiré comme nous. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils se dirigent aussi vers le deuxième pylône. Ça peut pas être une coïncidence. On dirait que les Prométhéens ne veulent pas non plus des Covenants ici. Le réseau de combat fait déjà état d'une résistance autour du pylône.
radio relais se débrouille à nouveau. On arrive au pylône. Ils ont trouvé l'ouverture. On a intérêt à arriver au relais. Et vite. Faible mais toujours actif. Détruisez les deux autres modules pour accéder au pylône. Actif. Détruisez les deux autres modules pour accéder au pylône. Module détruit. Beau travail, Major. C'est bon. Les boucliers doivent être désactivés. Montez! Infinity aux survivants du Forward on to Dawn. Je perçois une faible IFF près du noyau de la planète. Vous me recevez? Le noyau de la planète? Ils savent que nous sommes là. Infinity, ici IA Cortana de l'UNSC. N'approchez pas de la planète Forerunner. Je répète, n'approchez pas... Infinity au vaisseau UNSC. Forward on to Dawn. On vous reçoit, mais plutôt mal. Helm, augmentez la vitesse de 0,7. Faites-nous entrer! Non, Infinity! N'entrez pas dans la planète! Si vous nous recevez... Continuez d'émettre. Non, Major, vous devez détruire ce faisceau maintenant. Cortana à Infinity.
Infinity. Vous me recevez? À vous, Infinity! Il n'y a plus d'interférence, mais le transmetteur de votre combinaison est trop faible. Conduisez-nous au satellite relais. C'est déjà fait. Allez! Une fois sur le satellite, nous devons trouver le point de contrôle central. Les Covenants se dirigent aussi vers le relais. Mais ça n'a aucun sens! Pourquoi ils s'intéresseraient à un relais de transmission? Je m'en occupe. Vous trouvez le point de contrôle. L'Infinity est à combien de temps du puits de gravité? Une ou deux minutes maximum. Les Covenants cherchent quelque chose. Ils vont vers l'autre bout du satellite. Perturbation gravimétrique près de l'entrée de la planète. Changement de vecteur d'approche. 43K, 750K, 12K. Il continue vers l'ouverture! Vite, Major! Infinity, ici Sierra 1 à 7 de l'UNSC Forward and to Dawn. Vous me recevez? Infinity. Infinity, vous me recevez? Major? Major, laissez tomber les contacts. Trouver une sortie. Traînez pas à cause de moi, allez-y.
Ainsi s'évanouit le résultat de ma trahison. Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez sourds, humains. Votre noblesse vous a aveuglés une fois de plus. La bibliothécaire n'avait rien laissé au hasard, n'est-ce pas? Retournez mes propres gardiens. Mon propre monde contre moi. Mais quelle suffisance de penser que je ne pourrai rien contre ces protégés. Si vous n'avez pas réussi à vous rendre maître de ces êtres primitifs, l'homme ne mérite pas le manteau. Le fléau que vous représentez doit être endigué. Le temps était votre allié humain. Mais il n'est plus de votre côté. Les Forerunners sont revenus. Cette tombe est la vôtre désormais. Major, allez! On doit partir! Ce didacte, il a manipulé le signal de l'Infinity pour nous obliger à le libérer. Debout! Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir déplacé le satellite dans l'espace-temps a déstabilisé le noyau. Le didacte s'en va! Nous devons trouver un portail et sortir d'ici avant que tout le réseau ne s'effondre. Attrapez l'un de ces gosses. Accrochez-vous. Je vais dévier l'énergie de vos boucliers pour le propulseur de ces gosses. Thank you.
force inconnue a pris le contrôle du vaisseau. Les systèmes ne répondent plus. On va s'écraser sur une planète Forerunner non identifiée. Suivez sa chute. Attention. L'impact est prévu à 77,8 km au nord. Au moins, vous savez où il va. Au même endroit que nous. Le vaisseau a l'air intact. Quelque chose me dit que c'est parce que le didacte a bien voulu qu'il le reste. Et si la ski a UNSC Infinity, on est submergé par ici. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici Sierra 117 de l'UNSC Forward and to Dawn. Nous sommes prêts à venir en renfort. Le signal n'arrête pas de sauter. Je ne peux rien faire. Indiquez-moi leur plaque IFF. Il nous faut quelque chose si on veut les retrouver. J'aperçois des IFF sous la limite des armes. Je marque la plus proche sur votre majesté.